C'est foutu. C'est foutu pour la ville. Ils nous ont prise. Hein. Ils ont pris la ville. Ou qu'à la bonne Pauline, à la gare, elle pisse et fait caca. Pour ceux qui ont fait de l'ancien grec à une certaine période de leur vie, ils ne prirent pas la ville car l'espoir était mauvais. Bien. Mais eux, ils ont pris la ville et l'espoir était bon. Bon, 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 bon. Nous n'avons pas de bagarre du tout. Bien, bon. Et toi, qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai fait un misclic. J'ai dû faire un misclic, hein, puisque t'étais là. Tu étais là, mon petit. Et tu es passé ici. Est-ce que c'est possible? Eh oui, effectivement, il va très très loin, ce petit monsieur-là, dis donc, avec son moteur. Waouh, la distance qu'il peut parcourir, dis donc. Bon. Eh bien, voilà. On va se tirer. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un GR, cataphracte. Il a l'air bien plus méchant que le mien. Effectivement, belle petite vieille quand même, sympathique. Méchante attaque, que ce soit en hard ou en soft. Et qu'est-ce qu'il a comme un engin nucléaire, donc même s'il a du moins 40, il bouge quand même bien, à mon avis. Bon, 300 mm, size de niveau 10, effectivement. Donc là, finalement, je suis peut-être pas si mécontent que ça de ne pas me battre contre lui tout de suite. Le Reich est à 24. On ferait peut-être bien de se tirer de la frontière. Alright. Bon, tout change. Donc, si c'est comme ça, moi, je vais bouger. Je vais bouger. Alors là, qu'est-ce qu'il fait comme température là-dedans? Il fait 8 degrés, nous sommes en été. Pas oublier que je n'ai pas de combinaison thermique. Et donc, si je me promène où il fait froid là-bas, je vais perdre du moral, je vais perdre du readiness, etc., etc. Bon, on va reculer. On va reculer. On va reculer. On va reculer pour ne pas se prendre Wilhelmnitz dans le nez trop vite. Pour rien. Parce que là, il n'y a rien à gagner maintenant. Wilhelmnitz, t'avais quoi, Foltrange? On ne sait toujours pas ce qu'il y avait comme truc à l'intérieur. De toute façon, à mon avis, on ne perd pas grand-chose. Parce que de la manière dont ils ont tiré dedans tout le temps, on peut être à peu près certain qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Qu'il n'y a alors strictement plus rien du tout. Bon. Décision. Bien entendu, en dessous de 70, tu vas nous causer des petits pépins. Alors, si j'ignore ce qu'elle a fait, il ne reste plus 6, où ça? Où ça? À Carreca. Donc, tu as voulu nettoyer un champ de mine. Ok, tu as voulu montrer l'exemple. Ça y est. On va prendre cette décision-là après. Il n'y a pas d'urgence pour la prendre. Il n'y a absolument pas d'urgence pour prendre ça. On va regarder un petit peu s'il y a des pépins quelque part. Crit bien négatif. On n'a pas pu enlever l'entièreté des unités. Tu n'as envoyé que 17%. Ok. Pourquoi n'as-tu envoyé que 17%, mon ami? Bien, on va régler les petits problèmes d'embouteillage, pas d'embouteillage, mais ce petit problème-là, on va le régler. Ah! Yes! Look at this. On vient enfin de trouver quelque chose qui m'intéressait. Et c'est un coinçage, je saute du truc à la main. Rare! Hein? Ok.
Ok, bien, 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 bien. Donc là, ça, c'est une chose qu'on va immédiatement faire. C'est. Alors là, j'aurai un, j'aurai deux, j'aurai trois. Alors, le mieux, c'est de ne pas faire trop d'embranchements. Créer une route. Ça me coûte quoi de créer une route R? Dirt. Donc d'ici à ici. Combien ça me coûte ça? 24, c'est tout? 24. Est-ce que là je veux quelque chose? Ah, il y a 22 000 aussi ici. Je crois que je vais en mettre partout, moi, du scavenging de toute façon. Je vais en mettre partout. Je vais en mettre partout. Et toi, au fait, j'ai pas fait attention à ça, mais. Montre-moi un petit peu les résultats. 125% de modificateurs. 1, 2, 3, 4, 5 fois 25, ça fait 125. Voilà le rich scavenging. Voilà. Bon, comme ça, 24. 44 là. Ah ouais. Pourquoi 44 là? Parce que tu dois traverser une rivière, je parie. Ça doit être ça. Vous voyez la petite rivière là. Donc là, c'est une mauvaise idée de passer la route comme ça. Ici, 22 000. Arrête un petit peu de chipoter comme ça. Et fais-toi une jolie petite route jusque-là et jusque-là. Boum! Et bien entendu. C'est terminé. Donc là, on a un très 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 beau. Où est-ce que j'en suis? Bien, nous en sommes à avoir beaucoup beaucoup de métal. Nous avons beaucoup de bim et nous n'avons pas de boum boum. Donc bim bim boum boum, je veux avoir des outils, s'il vous plaît, monsieur. Et je veux également vendre, si c'est possible, tout ce que j'ai en. Ouh, 0,26, les petits gars. 0,26, ça me permet de vendre tout. Celle-là. Merci, monsieur. Voilà, monsieur. Et je voudrais maintenant t'acheter quelques machines. Vous voyez qu'elles sont déjà nettement plus chères qu'auparavant. On va t'en acheter deux. Deux machines minimum. Est-ce que j'ai pas besoin de faire autre chose? Ici, nous voulons également modifier ici. Alors, oui, donc nous allons aller dans logistique et nous allons demander. Ah non, j'ai une bonne truc station 2 déjà, moi. Combien il me coûte? 3 tours à 100. J'ai les moyens. 3 tours à 100. J'ai les moyens également. Autrement, je peux faire de la Rail Station, mais qui va me coûter là 2 tours à 250. Et il faudra, bien entendu, un Rail Head de l'autre côté à 125. Ça fait quand même pas mal de pognon. Je peux pour le moment me débrouiller avec juste ceci. Ouais. Start upgrade, voilà. On achète deux machines. Voilà. Merci, monsieur. Ok. Et on vient se construire un mining, un recycling. C'est parti, mon kiki. Voilà. Donc là, c'est parfait. Tout est parfait, nous allons recevoir tous les 500. Bon, ça fait quand même pas mal, hein, 500, ça fait 10, ça peut dire que normalement je pourrais avoir 300, 30 artefacts, pardon, je pourrais avoir 30 artefacts rares. Ben, ça fait longtemps que je les attendais quand même, hein, cette étiquette-là avec le nombre de ruines qu'on avait. Bien, je suis très content de ça. Maintenant, il va falloir rediriger tous nos bidules, mais faire attention, hein, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer, cette histoire-là, s'ils vont me foutre la paix ou pas, hein.
Autant qu'ils prennent les places. Ici, je voudrais quand même garder. Effectivement, on peut quand même venir attaquer ce truc, hein. Excellent. Alors, 3, 8. Alors, on a touché 6, 8, malheureusement. 8, ça fait racine carrée, c'est 2. Et pas 3. Comme 41, je crois qu'on était à 39 ou 36, je ne sais plus maintenant. En tout cas, on a progressé ici, ça c'est certain. Nous allons maintenant attaquer avec nos trois petits bonshommes ici. 3 contre 1. 3.1. Voilà, parfait. On n'a pas touché beaucoup avec eux. On n'a vraiment pas touché beaucoup avec eux. Par contre, on a perdu quand même 2 unités, ce qui va aussi augmenter notre système. Vous, monsieur, bougez-vous. Vous, monsieur, tu viens ici. Est-ce que tu peux aller encore une case? Ouais, ça va, tu peux venir là. Déplace-toi. Vous autres, bougez-vous, monsieur. Venez ici. Vous, monsieur. Faites-moi un petit stratégique move, vous, monsieur. Vous ne pouvez pas aller là. Comment ça se fait? Il n'y a pas assez de points ici, bien entendu. C'est logique. C'est logique. Donc faites un move normal alors jusqu'ici. Et nous allons libérer un peu plus de place ici dedans. Et pour le tour prochain, tu vas me remettre disons 95%. Ça devrait être bon pour un strategic move. Voilà, 120 points. On va te donner un tout petit peu plus encore. Tiens, voilà. T'as 10%, là, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Encore qu'on pourrait créer une nouvelle armée d'ici peu. On pourrait encore créer une nouvelle armée. Et on pourrait la créer directement là-dedans. Ça serait possible. Bon, on bouge. On continue à bouger. M. Vous revenez un petit peu à l'intérieur ici, vous serez beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous, monsieur, vous venez ici. Toi, tu vas te faire, mais alors massacrer, mon petit gars, tu vas te faire massacrer. S'il nous attaque, effectivement, s'il m'attaque, je me fais massacrer. Bon. C'est peut-être une mauvaise idée de mettre 1000. On va peut-être venir le soutenir avec ça, peut-être, non? On peut aussi. Toi, t'es quoi, toi? Hein?
Mousse de recours, ouais, je crois que ça devrait quand même passer, non? Et toi, tu peux encore bouger ou pas, non? Ah, viens jusque-là, mec. Parfait. Ok. Vous, monsieur, vous pouvez plus bouger. Vous pouvez bouger. Alors, un petit coup de remplaçant. Mais tout est fini ici, c'est ok. Tout le monde ici, non. Toi. Ouais, boum. Ok. Donc là maintenant, à peu près, toutes mes unités sont complètes. Est-ce que nous avons encore des unités ici? Oui, il nous manque encore 100 troupes. On va faire deux en plus. Voilà. Et, enfin, on va dire 100 en plus. Et ici, bon, on va en refaire deux. Aussi, ou trois, mon Dieu. Voilà. 200, 400, on a un petit peu d'avance. Est-ce que je me fais pas un petit petit peu de fighter ou pas moi? Qu'est-ce que j'ai maintenant? Il me reste 230. On va aussi faire quelques munes. Voilà. Hanson, mon petit Hanson, comment vas-tu, mon petit Hanson? Tu t'as. Ça, c'est ok. Là, est-ce que tu as changé tes prix ou pas? Tu as 0,02 et moi je paye 0,03, ce qui est bon. Tu es occupé, alors. Assets. Donc on en est où dans les assets? Je construis un truc station 3. Je construis un recyclage 1. À Hanson, pour l'instant, je viens de terminer mon bureaucratic office. Et normalement, ici, ça va être bientôt fini. En tout cas, toi, tu auras terminé le tour prochain. Et nous avons un mercenary poste qui est ici. Alors, ce mercenary poste, je ne veux pas qu'il vienne se mettre en recrue ici dedans. Donc, on va repartir dans les borders. Et je veux aller ici. Ah, pardon, ici, je suis obligé de faire ceci. Voilà. Si je veux pouvoir monter, il faut que je passe comme ceci. Voilà. Ensuite, je veux revenir ici dedans et reprendre tout ceci à mon compte. Sauf celui-là. Ouais, pas de chance, toi. Je prends celui-ci. Donc tu peux reprendre ici, voilà, et ici. Donc tout ça, c'est Hanson. Sauf. Voilà. Donc comme ça, j'ai ma petite ligne qui redescend ici tranquillement. Nous avons saisi cette petite. Chose là qui était quand même assez intéressante, je dois dire, à prendre. Maintenant, il va falloir la tenir, ce qui est tout à fait une autre paire de manches.
toi, je ne sais pas ce que tu fais là, mon ami, mais tu vas revenir. Tu vas revenir ici, mon petit tech, mon petit. Si je viens jusque-là, je bouffe 77 AP seulement. Imaginez le truc, quoi. Mais c'est là que je veux aller. Je ne sais pas pourquoi j'étais parti de là. Bon, je suppose qu'il y a une petite bêtise, mais ça arrive, hein. Donc là, tout le monde est prêt, tout le monde est bon. Ok. Nous avons à peu près terminé. J'ai de la strat peut-être à jouer maintenant. Dans les majeurs. Small stratégie. Donc, open contact. Est-ce que je peux faire un open contact quelque part? Je crois que j'ai fait déjà partout mon contact. Bon. Ensuite, une ambassade. Oh, beaucoup plus. Chez Brunemark et Wilhelmnitz, tu ne veux pas. Tu vas avoir des problèmes avec Wilhelmnitz. Je suis sûr et certain que je vais avoir des problèmes avec Wilhelmnitz. Target. Wilhelmnitz, tu veux des sous, tu veux pas des sous. Brunemark, tu veux des sous? Bouf. Oui, toi tu veux des sous, Brunemark. Tu veux bien des sous, mon petit Brunemark. Et là, c'est une bonne idée, ça. On va regarder si on ne peut pas te donner autre chose. D'abord, scientifique coopération. Et scientifique exchange. Combien ça coûte? 102 et ça, là, tu ne peux pas. Il faut 60 points. Ok. J'ai pas de trade, moi. Pas un seul petit coup de trade, mon ami. L'ambassade. Ça serait très bien d'avoir une petite ambassade avec eux. Si je veux faire une ambassade avec eux. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Discussion avec ces gens-là, discussion avec ces gens-là. Pour le moment, je ne pense pas avoir besoin de quoi que ce soit. Fat Mercant, il peut attendre. Gladiateur, ça peut attendre. Traveler Teacher, ça peut attendre aussi. Dans mes leaders, j'ai un Shadow Diplomate que je pourrais taper. Ah ben, sur mon diplomate, par exemple. Je pense que ça ne sera pas une mauvaise idée. Allez, Shadow Diplomate, si je te mets sur mon diplomate. Voilà, sur lui. 13 points, oui. Exécute stratagème. Voilà, j'ai un Shadow Diplomate qui est mis sur lui. Si je veux maintenant repartir dans mon majeur et créer une ambassade avec eux, avec lui. C'est toujours 102, mais j'ai plus 102, comme on peut le remarquer ici. Donc ça m'a monté, je devais être à 62, c'est ça? Je crois que j'étais à 62. Donc j'ai gagné 40 points avec ce truc. Bon, oui. Et au lieu de te mettre une ambassade, je pourrais te mettre une coopération scientifique qui, elle, va échanger les découvertes. Nous échangerions nos découvertes. Qu'est-ce que tu as comme... Regardons un petit peu ce régime où il en est. Donc, on est sur Zandmark. Zandmark Overview. Tu as une tech level de 4,78. Brunemark, il a une tech level de 4,95. Et Wilhelmnitz, de 4,93. Et moi, j'ai 4,56. Je suis en retard. Enfin, ça, c'est ce qu'on a recherché, hein, c'est découvert et recherché. C'est plutôt recherché, ceci. Mais on est en retard quand même, hein, dans nos... Enfin, on est en retard, ben oui, on est en retard, hein, je ne peux pas dire le contraire. Surtout ici dedans, quoi, ça n'avance pas.
J'ai pas le combat armure. Ce qui est important, c'est vraiment une truc très, combat armure et les side-skirts. C'est deux choses qui sont très intéressantes au départ. Et bien entendu, le gaz ici, nous on a commencé par ce qu'on avait le moins besoin. Le filtre radiation, bien entendu. Et la roquette, qu'on n'a pas besoin non plus. Ah. Maintenant, nous sommes en méritocratie. Où est-ce qu'on en est? On n'a pas encore évolué du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout en méritocratie. Bon. Il a combien, mon copain? Il n'est qu'à 74. On va patienter un tour alors. Je lui ai donné le bidule, c'est pas très important. Je lui ai donné, c'est bien. On va essayer de le faire monter parce que normalement il devrait être plus haut, lui, je crois, non? Montre-moi un peu ça. Tu es à 71 seulement, malheureusement. Malheureusement, tu n'es qu'à 71. Ok, on va un petit peu encore modifier ça alors. On va appeler notre. Notre petit monsieur ici. Et on va changer les salaires. On va donner un petit peu plus de sous à nos copains. Donc l'advisor, pour le moment, il est tout seul. On va quand même lui donner un en plus. Les directeurs, oui. Les zones, oui. Le SHQ, pourquoi pas. En plus, je n'en ai qu'un. Les OHQ, j'en ai pas 650, 500 non plus. On va quand même laisser pour le moment ces trucs-là. Je crois que je n'en ai plus. Hein. Pour le moment, j'ai pas de pool, de réserve pool. Moi, est-ce que j'ai de la réserve pool ou pas? Bonne petite question. Ça tient à leader. Non. Réserve. Je n'ai pas de réserve. Ok, on va modifier donc également ça. Donc, je t'augmente. Je t'augmente. Je t'augmente. Je t'augmente. Je t'augmente. Et je te mets à zéro. Comme ça me permettra de monter un petit peu plus vite toutes les petites choses que j'ai besoin de monter. Le secrétaire, il est toujours avec un point à 75. Donc, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper pour le moment. Et je crois que pour le moment, je n'ai pas vraiment non plus besoin. J'ai une demande que je dois augmenter, il me semblait, les soldats, non? Mais pour le moment, on va faire comme ça. Parce qu'on a quand même nos soldats sont à quoi là? 52, mes nouveaux, mais mes anciens sont pas plus que ça, mes anciens. Voilà, toi, tu es à 100. Donc tout cela va monter rapidement. Base morale, non, non, donc ils devraient tous monter. Donc c'est bon. Confirmer les salaires. Voilà. Maintenant, Mitch Void vient de gagner 3 points. Donc il est passé à 78. Ok. Et donc maintenant, logiquement, t'es monté de 102 à 103. Bizarre, hein, mon ami. C'est pas grave, exécute le stratagème. Allez, roule ma poule, fais-moi 150, 160, critical success. Excellent, plus 20 avec eux. Plus 20 avec ces gens-là. Magnifique. Magnifique, c'est ce que je voulais. Hein. Le petit 10 en plus de dés, parce qu'ils sont contents. Ça fait quand même une méchante différence. Voilà, ils sont à 73 toujours en blackmail. Hein. Bon. Mais bon, espérons qu'ils vont changer un petit peu, passer à autre chose que du blackmail hein, tout le temps. Hein, qu'ils vont arrêter de nous embêter avec ça. Je veux pas de points dans les trucs mineurs. Je veux pas de points dans les trucs mineurs, même si c'est pas énorme. Donc on a vu qu'on avait 4 BP, donc on peut couper en 4. Ça fait 2,5. Je te descends à 3. Voilà. 3.
je te confirme. Même si tout ça va bouger par après, hein, mais enfin. Donc, maintenant, je perds moins 3. Et je ne change pas ceci. Par contre, si je passe à plus 3, soit là, je perds 3 points, ouais. Ou je perds 8 points. Allez, hop, hop, on fait ignore, et puis c'est bon. C'est où? C'est un carica? Carica, ok. Ignore. On se prend 3 de 6 de... Ah, on se prend 13. Un reste est diminué de 4 points à cause de la loyauté. Un reste est diminué de 2 points à cause de la fire. Ça veut dire 6, 7, 8 points dedans. Donc le tour prochain, il n'y aura plus que 5. On est au-dessus partout, donc c'est parfait. Production penalty. Attention, le tour prochain, on sera à 3. Donc on risque d'avoir des petits pépins. Ici et à l'intérieur aussi. Allez, on y va. Avançons.